Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Je suis le docteur Gaudé à votre service. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Tu baisses la tête avant de suivre ce message, baisse la tête et prions. Père, je ne suis qu'un objet. Je ne suis qu'un magnétophone, un objet dans lequel tu mets ton CD, tu mets ta parole. Papa, à travers cette parole, à travers ma bouche, parle à tes enfants, non pas selon ma volonté, non pas selon ma connaissance, mais selon ce que tu veux, papa. Parle à tes enfants, afin que leur vie soit transformée. À travers ce message, Seigneur, agis en puissance, Seigneur, pour que les miracles, les prodiges s'opèrent dans la vie de tes enfants. À travers ce message, papa, transforme les vies de tes enfants, convertis tes enfants à Jésus-Christ. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce matin que le Seigneur nous donne est tirée de Jean 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. Et la parole de Dieu dit. Jean 20, verset 21. Jean chapitre 20, verset 21. La parole de Dieu dit. Que nous dit cette parole? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Voilà la parole de Jésus, une parole que Jésus a prononcée quand il était sur la terre, sur notre terre, quand il était parmi nous. C'est la parole qu'il a prononcée et cette parole-là, il a adressé cette parole aux hommes. Avant de donner cette parole, il dit que la paix soit avec vous. Parce qu'il a toujours, il veut toujours que le monde soit en paix. Que la paix soit sur cette terre, que la paix soit entre nous, que la paix soit dans nos relations, que la paix soit dans nos maisons, que la paix soit dans nos activités, que la paix soit partout, dans tout ce que nous faisons. Que la paix soit en nous-mêmes. Et il dit maintenant une chose importante. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Toi qui lis la Bible, toi qui as lu la Bible un jour au moins, c'est pour te dire que Jésus a été envoyé sur la terre pour faire quelque chose. Et ça veut dire, comme le Père m'a envoyé, moi maintenant, à mon tour, je vous envoie. Amen. Amen. Alors, quelle est la commission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire aujourd'hui? Quel est le thème de ce message d'aujourd'hui? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est-à-dire, pourquoi je suis sur la terre? C'est une question. Et l'Éternel va répondre, pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi chacun de nous, on est sur la terre? Est-ce qu'il vous arrive de vous poser cette question-là? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je dans ce monde? Est-ce que je suis sur la terre pour détruire ce que Dieu a créé? Est-ce que je suis sur la terre pour être jaloux des autres? Est-ce que je suis sur la terre pour être menteur, voleur, brigand, tueur? Est-ce que je suis sur la terre pour ça? Est-ce que je suis sur la terre pour être pauvre parmi les hommes? Comme on le dit souvent, est-ce que je suis sur la terre pour accompagner les autres?
Est-ce que je suis sur la terre pour diviser les foyers, pour diviser les maisons, pour diviser les églises, pour mettre la confusion partout? Est-ce que je suis sur la terre pour être adepte du diable, pour être serviteur du diable, pour être sorcier, pour être féticheur, charlatan, marabout, pour mentir aux hommes? Est-ce que c'est ma mission, ça, sur la terre des hommes? Frère, ma soeur, connais-tu le nombre d'années que l'Éternel t'a donné sur la terre? Le nombre d'années de ta vie que l'Éternel t'a donné sur la terre? La question fondamentale que nous devons nous poser en tant qu'être humain, la question que nous devons nous poser en tant qu'homme-femme, la question que tu dois te poser, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis ici, je ne suis pas de l'autre côté? Pourquoi je suis sur la terre? Voyez, Dieu crée toutes choses avec un objectif. Toutes choses avec son objectif. Dieu a créé les plantes. Chaque plante a son objectif. La forêt que vous voyez, la verdure, tout ce que vous voyez, ce n'est pas un hasard. Chaque plante a son objectif. Dis-moi, le riz a quel objectif? Tu connais les fruits. Chaque plante a un objectif. Chaque animal a un objectif. Chaque homme a un objectif. Chaque femme a un objectif. Chaque enfant a un objectif. Chaque église a un objectif. Chaque pays, chaque nation, chaque continent, même la terre a un objectif, a son objectif. Amen. Si vous êtes vivant, cela veut dire que Dieu a un objectif à atteindre pour votre vie. Amen. Ne négligez pas. Colossiens 1, verset 16 dit: tout a été créé dans les cieux et sur la terre par Dieu et pour Dieu. Donc tu ne peux pas dire moi je me suffis. Non. Tout a été créé dans les cieux et sur la terre, par Dieu et pour Dieu. Toute la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, c'est en deux groupes. Il y a le groupe des invisibles et le groupe des visibles. Donc tout ça a été créé par Dieu et pour Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu a donné 5 pouvoirs à l'homme, quand il a fini la création. 5 pouvoirs. En donnant ce pouvoir à l'homme, Dieu sait quel est l'objectif qu'il fixe pour l'homme. Alors pour atteindre cet objectif-là, Dieu va mettre en nous 5 pouvoirs qui vont donner la force, le courage, qui vont donner la persévérance d'aller jusqu'à l'objectif. C'est dans Genèse 1, verset 28. Dieu nous a donné la fécondité. Pour enfanter, il y a ça, il y a la fécondité. Et la fécondité dans tout ce que nous allons toucher. Si tu es venu sur la terre des hommes, tout ce que tu vas toucher doit être fécond. Société, ça doit se multiplier. Tout ce que tu entreprends, ça doit enfanter. Dieu nous a donné la multiplication. Et tout ce que nous allons faire, il nous a donné de remplir la terre, non pas se limiter à ton seul coin. Église, toi qui m'écoutes, ton église, ce n'est pas Abidjan seulement. Ton église, ce n'est pas le capital où il y a l'argent. Ton église, tu dois remplir la terre. Va aux extrémités de la terre. Ton église, ce n'est pas tes démonstrations prophétiques, non. C'est de remplir la terre parce que Jésus l'a dit. Il dit, allez, apportez la bonne nouvelle à toutes les nations. Remplis la terre. L'assujettir. Tu ne peux pas prendre une montagne comme Dieu. Tu
veux voir un arbre comme Dieu, la rivière comme Dieu, tout ce qui est sur la terre, ne les prends pas comme Dieu. Chacune de ces créations-là a un objectif. Si je te demandais par exemple l'eau, c'est pourquoi? Tu connais déjà. Alors pourquoi adorer l'eau? Tu dois te laver avec l'eau, tu dois boire l'eau. C'est bon pour ton corps, ta santé. Mais pourquoi dévier cet objectif-là? Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Amen. Pour comprendre ce que nous disons aujourd'hui, allons dans Jean 17. Dans Jean 17, quand Jésus a fini sa mission sur la terre des hommes, avant de quitter la terre des hommes, Jésus a fait le rapport de sa mission à son Père. Dans le livre de Jean 17, il a fait le rapport de la mission, de sa mission sur la terre à son Père avant d'être crucifié. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et remarquez souvent, les vrais morts, remarquez, quand les gens vont mourir, le dernier langage est différent de notre langage. Alors, pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? La cause pour laquelle tu es sur la terre est donc soutenu d'abord par ces cinq pouvoirs que je viens de citer qui vont t'aider. Amen. Et la parole d'aujourd'hui, Jean 20, verset 21, qui nous parle, où Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, que tu veilles ou pas, toi qui écoutes ce message, Dieu t'a envoyé sur la terre. En envoyant quelqu'un sur la terre, Dieu sait ce qu'il va faire, parce que tu as une vie préhumaine que tu ne connais pas. Et tu as une vie humaine sur la terre que tu vois. Tu as une vie après la vie. Quand tu as fini avec la terre, tu as une autre vie. Voilà les trois vies de l'homme. Alors, Jean 17, verset 18, Jésus dit, il dit quoi? Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés voilà. Dans le monde. Je vous ai aussi envoyé dans le monde. Je les ai envoyés aussi dans le monde. Ça, c'est une partie du rapport de Jésus-Christ avant de mourir. Amen. Et Jean 20, verset 21, qu'on répète la même chose. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est une mission. Tu es en mission sur la terre. Alors, quelle est ta mission? Tu es couché dans les bars. Tu viens du travail, tu vas dans le bar, tu prends tous tes amis en compte. C'est ta mission. Dis-moi. Quand tu ramasses dans les poubelles, dans les caniveaux, parce que tu as bu, tu ne tiens plus, c'est ta mission. Que tu passes ton temps à mentir pour diviser, c'est ta mission. Demande au Seigneur. Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? Quel est le contenu de ta mission? Quel est l'ordre de mission que Dieu t'a donné en venant sur la terre des hommes? Quand Jésus venait sur la terre des hommes, ce n'était pas un fait de hasard. Marie même ne savait pas qu'elle allait mettre Jésus au monde. Mais Jésus, lui, savait, il venait, il sait pourquoi il vient. Et c'est pourquoi quand il est rentré dans un temple, il devait prêcher la parole de Dieu. Il a pris Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour... Voilà. Et puis il a commencé à parler comment il allait délivrer des gens, sauver des vies, affranchir des personnes. Et Jésus, quand il a fini, dit, la parole que vous venez d'attendre vient de s'accomplir. Et les hommes n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils le connaissent en tant qu'enfant de menuisier. Amen. Quel est donc le contenu de ta mission? Et pour te rafraîchir la mémoire, je te dis, le contenu de ta feuille de mission sur la terre des hommes. Et c'est de ça, ce matin, que le Seigneur va nous parler. Tu es sur la terre pour faire quoi? Pour, premièrement, plaire à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà, et qu'il domine. Tu es fait
pour ressembler à Dieu. Alors, dans tes actes, comment tu ressembles à Dieu? Ressembles-tu à Dieu en dégorgeant quelqu'un? Ressembles-tu à Dieu en volant? Ressembles-tu à Dieu en commettant de mauvaises choses? Ressembles-tu à Dieu en divisant l'église que toi-même tu as créée, que Dieu t'a confiée, toi-même tu divises ton peuple? Tu ressembles à Dieu? Ressembles-tu à Dieu en étant orgueilleux quand tu rentres dans ton église parce que c'est toi qui es le responsable, tu ne salues pas? Ressembles-tu à Dieu? Amen. Amen. Regarde toutes les dispositions que Dieu a prises avant de te faire venir, avant de faire venir l'homme sur la terre, l'homme que tu es. Quelles sont toutes les dispositions? Disons Job 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu dit, écoutez bien, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ce verset montre la joie de Dieu en regardant Job, son fils, tous les jours. Et c'est comme ça le regard de Dieu est sur nous. Dieu même est fier de voir ses enfants. Quand un homme est avec ses amis, en train de causer avec ses amis, et qu'il voit arriver son fils, sa fille ou bien son fils, bien habillé, ou bien même il reconnaît la voiture et il voit son fils arriver, il va interrompre la causerie et dire, voici mon fils arrive. C'est une fierté. Dieu est fier. Dieu est fier de te voir en bonne santé. Dieu est fier de te voir bien habillé. Dieu est fier de te voir ce que tu es. Et Dieu me fait ton atalakou, tes louanges. Et il dit, il n'y a personne comme lui. Voilà ce qu'il dit à Job. As-tu remarqué mon fils? Et à qui il parlait? Il parlait à Satan. Il dit, as-tu remarqué mon fils? Il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre, il n'a pas parlé à Jésus-Christ pour ça. Il a parlé à Satan, celui-là même qui œuvre pour nous détruire, qui œuvre pour nous gâter. Il dit, as-tu remarqué mon fils? Il n'y a personne qui soit comme lui. Toi qui suis cette vidéo, il n'y a personne qui soit comme toi sur la terre. Tu n'as pas ton semblable encore. Tu es bien fait, bien créé, et il n'y a personne qui soit comme toi. Intègre, il est intègre, droit. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Alors là où tu es, baisse la tête, ferme les yeux, médite sur ces 5 points-là. Il n'y a personne comme lui. Intègre, droit. Craint Dieu, se détourne du mal. Job 1, verset 8. La première mission, le premier objectif de votre vie sur la terre, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu dans ton foyer. Plaire à Dieu dans tes relations avec les hommes. Plaire à Dieu dans ton église. Plaire à Dieu dans ton entreprise. Dieu est content de toi. Parce que tu es dans Job 1, verset 8. Savez-vous que Dieu trouve du plaisir à nous regarder être nous-mêmes? Il trouve du plaisir à nous regarder à être nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui copient les autres. Quelqu'un peut prendre par exemple un de mes messages là. Ce message sur vidéo, il peut prendre. Et puis, aller faire comme une prophétie, comme si c'est Dieu lui a donné ce message, et puis ça va donner, les gens vont applaudir. Sois toi-même. Demande à Dieu, sois toi-même. Il faut être toi-même et non comme l'autre.
Parce que si on vous met ensemble, on vous arrête comme ça, Dieu dit, voilà deux personnes. Il vous pose la question. Qui de vous je dois tuer aujourd'hui? Qui doit mourir aujourd'hui? Tu ne vas pas dire, je vais être comme l'autre. Savez-vous que Dieu, du haut des cieux, regarde sur la terre et dit, voici ma fille, voici mon fils. Mais ce n'est pas en étant en train de faire les mauvaises choses que Dieu va dire, voici ma fille, voici mon fils. En étant en train de diviser, envoyer, en étant en train de voler, que Dieu va dire, voici mon fils, voici ma fille. Vous avez été créé comme un objet de l'amour de Dieu. Nous avons été créés comme un objet de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, Dieu est amour. Amen. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on l'aime. Cela veut dire que les choses les plus importantes, les choses les plus importantes dans notre vie, dans nos vies, est de connaître Dieu et l'aimer. La deuxième chose dans notre vie, c'est d'apprendre à faire les choses qui démontrent comment nous l'aimons, comment nous aimons Dieu. Amen. Demande-toi. Dieu même, il a donné son Fils unique. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour l'aimer? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Matthieu 22, verset 37, la parole de Dieu dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le premier, le plus grand commandement. Il y a un mot qui exprime l'amour de Dieu, c'est l'adoration, c'est la louange. La louange de ce Dieu, l'adoration. Louer Dieu, c'est exprimer votre amour pour Dieu. L'adorer, c'est exprimer votre amour pour Dieu. Être en communication avec lui, prier, c'est exprimer l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est vivre une vie qui plaît à Dieu. Amen. Votre vie, notre vie entière doit être l'adoration, la louange de Dieu. Donc, vous êtes sur la terre pour plaire à Dieu. Retenez ça premièrement. Vous êtes sur la terre pour plaire à Dieu. Vous êtes sur la terre pour plaire à Dieu. Retenez cette parole. Et on va passer à la deuxième raison, la deuxième cause